Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a déjà trois amis sur YouTube qui se sont connectés. Merci à vous. Clément, bonsoir Clément. Je rigole parce que Clément, il a la palme d'or de la connexion. Salut Nadine, Christine, bonsoir. Valérie aussi, bonsoir. Virginie, bonsoir Thierry. Nadine, Clément. Je vois souvent les prénoms qui reviennent, ce qui me fait dire que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas à vous reposer. Sandra, Nadège, Denis, bonsoir Denis. Ah, il y a un prénom, je ne saurais pas le lire, je suis désolé, coucou à toi. Mawel, Boken, Greg. Sophie. Merci d'être présent. Claire, bonsoir. Virginie, bonsoir. Hélène, Émilie, Nativité. Bon, ben voilà, rendez-vous le matin, rendez-vous le soir. On fait des lives dans tous les sens. Mireille, bonsoir. Quelle heure il est? 17h56. J'ai des petites précisions à vous apporter. Mylène, bonsoir. On a Frédéric, Joaquin, Sylviane, Samia, Manu, Kitchen Garden et Dom. Salut Tristan. Première fois un cours en direct. Eh bien, bienvenue parmi nous, Tristan. Maria, bonsoir. Merci pour ce matin. Merci pour ceux qui ont été au rendez-vous, pour ceux qui étaient en replay. Salut Charline. Patricia, bonsoir. Je vais vous redonner la formule parce que j'ai eu plein de messages derrière. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de messages, mais des messages qui m'ont dit on n'a pas encore su interpréter la formule. Alors, la formule, elle est très simple. On parle de la fréquence cible pour savoir dans quelle fréquence de travail vous devez être au niveau de la fréquence cardiaque. Donc la formule, elle est simple. Si vous êtes un homme, c'est 220. Si vous êtes une femme, c'est 226. À ça, vous enlevez votre fréquence cardiaque de repos, donc il faut la connaître. Donc prenez-la plutôt sur une minute quand vous êtes bien allongé le matin au réveil. Une fois que vous avez enlevé votre fréquence cardiaque de repos, vous enlevez votre âge. Le chiffre que vous obtenez, vous le multipliez une première fois par 0,6, ce qui correspond à 60%, puis vous réajoutez votre fréquence cardiaque de repos. Et vous refaites exactement la même formule, mais au lieu de multiplier par 0,6, vous multipliez par 0,8. Et bien sûr, à quoi vous rajoutez une nouvelle fois la fréquence cardiaque de repos. Et ensuite, vous obtenez une fourchette. C'est la fréquence cardiaque dans laquelle vous devriez être par rapport à votre âge, par rapport à votre fréquence cardiaque, pour travailler à la fois la perte de poids et l'endurance. Voilà. Donc, encore une fois, si ça reste pas super clair, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le petit bâton de massage que j'ai là. On m'a demandé ce matin comment ça s'appelait. C'est un bâton de massage. Donc, ça fait un peu barbare, mais c'est vraiment pour travailler justement des points qui pourraient être douloureux pour drainer. Alors, faites attention à l'usage, hein, bien sûr. Utilisez-le avec précaution. Mais c'est vrai que des fois, quand on a des petites tensions, voilà, ça peut faire du bien. Donc, faut savoir s'en servir. Faut pas appuyer non plus comme une brute. Mais juste une petite pression comme ça. Et puis, alors, vous avez été aussi très nombreux à m'envoyer des messages depuis plusieurs jours et suite au live ce matin pour parler de la cagnotte. Oui, c'est vrai que j'en parle pas. Promis, promis, juré, je vous mettrai le lien demain, je le mettrai sous la vidéo sur YouTube. Voilà, promis, je le ferai. Ça sera fait. En tout cas, merci pour votre gentillesse et pour vos messages. Quelle heure il est? Il est 17h59. Donc, il me reste peut-être moins de 30 secondes pour vous annoncer que ce soir, on fait une première partie sur une routine constitué de 7 exercices. Donc 7 exercices qui seront là encore des exercices complémentaires avec des options. Et puis on finira par un petit quart d'heure de stretch pour bien se détendre. Caroline, bonsoir. Laetitia, bonsoir. Salut Sandrine, Muriel. Cathy, Cathy, Caroline, Brigitte, Cathy, Tagoli. Il y a Nadège, Fanny, Claude, Chris. Eh bien, bonsoir à tous. Il est 18h. Allez, c'est le moment où on va pouvoir se dépenser. The check, le check de la team, là. Allez, bing, top. Alors, pour une fois, j'ai réussi le cadre sur YouTube du pro. Alors, ça c'est énorme. Ça, elle est magique. Allez, vous allez partir avec les jambes à l'écart si vous pouvez. Buste bien droit, les abdominaux serrés. Vous allez partir avec les mains au niveau des hanches. Et c'est de sentir comme si vous aviez un fil au-dessus de la tête. Le fil, il va vous étirer vers le haut. Vous allez
Pliez les bras, écartez les bras, inspirez. Revenez, croisez une nouvelle fois les bras et revenez au niveau des hanches en expirant. Donc toute la phase ascendante, vous la faites en inspirant et toute la phase de retour en expirant. Allez. Prenez soin de bien relâcher vos épaules. Sept, la huitième, neuvième, encore une, parfait, et on revient. Allez, à partir de là, on attaque le petit pas à côté pour activer tout ce qui est membre inférieur. Bon, je vous rappelle, hein, la semaine prochaine, je proposerai le planning en début de semaine, mais on a une séance dédiée aux Jeux Olympiques. Énorme. Allez, si vous pouvez vous placer en actif, si vous ne pouvez pas, ici en croisant. Alors, Jeux Olympiques, c'est un bien grand mot, mais on va essayer de travailler un petit peu sur l'univers du sport. Ça va être sympa. Allez, relâchez au maximum les bras, relâchez au maximum les épaules, prolongez l'expiration. Mettez-vous dans de bonnes dispositions là, en vous disant, voilà, c'est une demi-heure où je m'accorde du temps pour moi, je me fais du bien, mais je suis bien dans l'application du mouvement. Allez, c'est parti, genou droit, je lève. Si les bras sont trop, vous placez les mains au niveau des hanches. 7, 8, 9 et 10. Soit vous revenez ici, petit pas à côté, soit vous croisez, soit petit sursaut. À vous de définir ce dont vous pouvez, enfin, ce dont vous avez besoin et ce que vous pouvez faire. 5, 4, 3, 2, et hop, on change de côté. 8, 9 et 10. À nouveau, petit sursaut. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'on va mélanger déjà deux exercices. Vous allez partir soit sur le step touch en niveau 1, soit en actif. Et de là, vous allez reprendre le premier mouvement, celui que l'on a fait avec les bras. Inspirez, soufflez. En step touch, c'est la même chose, hein. J'inspire et je souffle. On positionne le ventre. Et là, voilà. On est dedans. Allez, inspirez et soufflez. Quatre. 3, ça va vous définir, genou droit, genou gauche, en marchant, ou déjà avec un petit sursaut. Par contre, ne tombez pas dans le piège de la précipitation. Sinon, on part sur un autre mouvement. Là. On va se mettre à danser après. Cool! Allez, levez bien les genoux. Expirez. Alors, essayez de sentir que c'est bien le genou qui monte vers la poitrine et non pas les épaules qui descendent. Vous avez toujours ce même travail qui vous emmène vers le haut, toujours l'engagement des muscles profonds. Et on repart à nouveau sur des petits sursauts. Allez, soufflez. Donc là, on va le faire en deux étapes. Soit vous marchez 1, 2, 3, 4, step touch, 5, 6, 7, 8 et on marche. Soit vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait, une dernière fois. Et on revient. Relâchez à nouveau les bras, les épaules. Vous allez écarter un petit peu plus les jambes. Vous descendez dans les cuisses. Vous serrez bien les abdos, le fessier périné et vous remontez. Voilà, descendez avec les fesses en arrière. On prend le temps. Alors, l'exercice que l'on va faire là, il va être un peu plus complexe que le premier exercice que l'on fera tout à l'heure. Mais il va nous préparer. Vous pliez les bras, vous inspirez. Vous redescendez les bras et vous soufflez. Alors, même s'il y a un mouvement de bras, faites attention à préserver votre dos droit, hein, bien placé. Là, vous travaillez beaucoup plus sur une amplitude au niveau des cuisses. Tout à l'heure, on aura une amplitude moindre, mais on aura un levier de force plus conséquent. Allez, encore, inspirez. 3. Deux fois. La dernière. On reprend les quatre temps de marche et les step touch, ou alors en courant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 1, 2, 3, 4. Et ici. Et ensuite, encore. Allez. Malheureusement, l'échauffement, ça prend un peu de temps, mais c'est indispensable. Allez, faites ça encore trois fois si vous le pouvez. Deux fois. Et la dernière. Parfait, on finit juste en enroulant les épaules.
Essayez de privilégier l'expiration. Alors la première rotation, je vous invite à la faire cool, ce qui va nous faire la transition entre l'échauffement et ce qu'on appelle le corps de séance. On va la faire cool et on montrera un peu plus dans l'intensité ensuite. Allez, je m'hydrate. Je ne sais pas ce que vous souhaitez faire. Si vous hydratez, trinquons ensemble. Et on va attaquer niveau 1. Il est à peu près le même pour tout le monde. Enfin, le premier exercice, je veux dire, il est le même pour tout le monde. Vous pliez les bras comme on vient de le faire. Si vous débutez, vous restez statique dans les jambes et vous allez juste mettre l'accent ici sur une dynamique avec les bras. D'accord? En essayant de sentir que quand vous tirez les mains au niveau des hanches, c'est comme vous, si vous tiriez ce qu'on appelle un rowing, comme si vous cherchiez à tirer une poulie pour engager les muscles dorsaux et sentir que vous rapprochez vos omoplates. Niveau 2, niveau 3, c'est la même chose, sauf qu'on va descendre et on remonte. À vous de choisir l'amplitude, amplitude moyenne ou amplitude plus basse. Allez, c'est parti. Donc cool, hein, on parle d'échauffement, on est encore dedans. 5, on n'en fera pas plus de 10, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On va poursuivre. Vous allez monter un genou. Vous allez venir croiser avec la même jambe derrière l'autre jambe. N'hésitez pas à placer les mains au niveau des hanches. Revenez genou une fois, genou deux fois, on croise de l'autre côté. Genou une fois, genou deux fois et je croise. Voilà, niveau 2, niveau 3, même si on va plus haut dans l'intensité ensuite, essayez de faire le même exercice. Continuez l'échauffement. Hop. Familiarisez-vous avec le mouvement. Très bien. 4. 3. Encore 2. La dernière. Parfait, vous revenez avec. Les jambes écartées. On part sur la version adaptée. On fléchit, on remonte, on dégage à droite. Flex. On dégage à gauche. Niveau 1, 2, 3, pour le moment, restez là-dessus. Hein. Allez, 4, 5, 6. Il reste 3. Tout ça, c'est ce que l'on va faire ensuite. Hein. C'est juste l'intensité qui va changer. Vous stabilisez sur la jambe gauche. Vous dégagez une fois sur le côté. La même jambe devant. De nouveau côté. Et hop, vous switchez de côté. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Voilà, familiarisez-vous bien avec le mouvement. Essayez de trouver le bon équilibre au niveau de la posture. Pensez à l'engagement, notamment au niveau des dorsaux, au niveau des abdos, au niveau du périnée. Pensez à souffler et à être relâché. Et ensuite, très bien sur la qualité de l'appui au sol. Voilà. Bon, c'est ça sa routine. Alors, ça va être facile si c'est que ça. Easy work. Parfait. Et on change droite-gauche tout de suite. On enchaîne. Hop. Avec le passage au sol qu'on ne fera pas là tout de suite, on le fera vraiment quand on engagera la routine pour de bon. Allez, 4, 3, 2, 1. Parfait, on descend les jambes. 3 pas chassés sur le côté. Salut. Ah, on revient. Voilà, essayez d'orienter les fesses plutôt vers l'arrière. Faites-le en marchant. Ça correspondra au niveau 1. Si vous pouvez évidemment vous chercher à descendre plus bas. Dernier aller-retour comme ça. Et relax. Parfait. Soit on reste ici sur le step touch, soit en petit sursaut. On glisse deux respirations et on attaque la routine pour de bon. Allez. Allez, vous êtes dans la chambre d'appel là. Vous allez rentrer sur le stade. C'est fini. Le mode échauffement, il est derrière. Là, on rentre vraiment dans l'effort. Allez, 5, 4, 3, 2, c'est parti. Je descends, hop, et je remonte. 1. Voilà, essayez de sentir que le contact, il est permanent entre les cuisses, les abdos. N'en montez pas totalement. N'en montez pas jusqu'en haut. Ne finissez pas. N'en montez pas jusque-là. Restez toujours avec les jambes en demi-flexion. Ok, de là ça fait 10. Niveau 1, vous avez le droit de vous arrêter si vous le souhaitez. Allez, on termine dans 2, 18, 19 et 20. Rappelez-vous, genou, genou, hop, on vient croiser. En version soft, la même chose, vous descendez peut-être un peu plus bas dans les jambes. Genou, genou, en version 2 et 3. Petit sursaut en version 2. Beaucoup plus de genoux en version 3. Allez, go! Stabilisez le bassin et les épaules en l'axe. Hein. Surtout quand vous fléchissez à ce moment-là. Gardez bien, bien, bien le bassin dans l'axe. Ça fait 10, vous pouvez vous arrêter.
Ça fait du style, hein? Il y a du style dans l'affaire. Ça fait du style, n'importe quoi. Phrase qui veut rien dire. Ça fait du style. 3, 2, 1, parfait. On repart de là. Rappelez-vous, version 1, ou alors version 2, on serre un peu, on ouvre, c'est un jack. Version 3, on monte avec le bras, flex. Là encore, ça fait 10, vous pouvez vous arrêter. Attention à ce que les genoux n'avancent pas vers l'avant. Allez, deux répètes si vous pouvez. Rappelez-vous, le side, on stabilise jambe gauche. Côté, devant, derrière. Hop. Enfin, c'est pas derrière, c'est côté. 1, 2, 3, je change. Alors, faites l'effort de descendre dans les cuisses. Prenez le temps de bien expirer. Encore une, au moins de chaque côté. Et ensuite, soit vous restez sur celui-là, soit vous l'enchaînez plus tonique. Go. Ou sans impact. Ça peut faire la transition. Allez. 4, 3. On repart sur les trois chassés. En version soft ou en version dynamique. Allez. Hop. 1, 2, 3. Descendez bien dans la cuisse. Encore 10 secondes. Cinq secondes. 4, 3, 2, 1. Parfait. Vous passez à plat ventre pour le niveau 1. Alors, je fais super vite pour pas que le cardio à descendre. Niveau 1. Vous partez avec les bras fléchis. Vous allez tendre le bras droit, tirer avec le bras droit, redescendre avec le bras gauche. Tirer avec le bras gauche, redescendre avec le bras droit. Inspirez, soufflez. Inspirez, essoufflez. Niveau 2, position de guidage. Épaules au-dessus des mains, jambes tendues. Bassin, épaules dans l'axe. Si vous avez le dos sensible, prenez le temps de ramener le genou dans l'axe. Vous n'avez pas le dos sensible, vous faites venir le genou sur le côté, droite, gauche. Niveau 3, avec une pompe. Allez, accrochez-vous. On est fort. Encore deux. La dernière. Et good. On passe sur le dos. Ouh, ça enchaîne. Niveau 1, ce que vous allez faire, c'est prendre appui sur les talons. Le regard bien en arrière. Vous montez avec les épaules dans un plan vertical en essayant de privilégier l'expiration. Allez, expirez bien. Niveau 2, vous levez les genoux. Vous faites partir les mains au sol. Vous appuyez une seconde. Puis les mains derrière la tête. Vous levez les épaules et vous revenez. Sol. Et déclenchez un mouvement vers le haut. Niveau 3, ça part du sol. Vous déportez les bras vers l'arrière. Vous replacez les mains derrière les épaules. Et là, vous montez avec les épaules et en même temps, vous tractez les genoux vers la poitrine. Allez, 1, 2 et 3. Et on reprend. 1, 2 et 3. Voilà, n'accélérez surtout pas le regroupement. Travaillez sur des leviers de contraction musculaire, mais ne précipitez pas. Cinquième. Est-ce que votre ligne d'épaule est bien décollée du sol? Ça, c'est important. Sixième. Sept. Je souffle. Inspirez. Soufflez. Huit. Neuf. Derrière. Et là encore, sans accélérer. Niveau 1, je vous invite à rester ici. Toujours petit maintenant avec les épaules là-haut. Niveau 2, vous allez engager le regroupement. C'est-à-dire vous allez porter les genoux vers la poitrine et vous stabilisez les membres inférieurs. Les membres inférieurs, cuisses, ne bougent plus. Et vous faites tout le travail avec le haut du corps. Niveau 3, vous bougez le haut et le bas du corps, mais non pas ça. Ça, c'est pas contrôlé. Non. Encore une fois, utilisez les bons leviers. Les bonnes contractions musculaires. Allez, 4. Ouh, ça chauffe. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, et non, ça fait une routine. Allez, prenez le temps qu'il vous faut. Eh ben ça y est, je crois qu'on est sorti de l'échauffement là. Il semblerait qu'on soit dedans. Dans quoi? Je sais pas. C'est peut-être du plaisir, c'est peut-être de la galère, c'est peut-être de l'engagement physique, c'est peut-être une grosse simulation collective. Quoi qu'il en soit, on est dedans. Allez, si vous pouvez réactiver, c'est la phase récupération active. Ah, on est bien, on est bien. Allez, j'inspire 10 secondes. J'ai le temps de glisser 2 respirations. Engagez bien le transverse. Rappelez-vous, hein, en soft, on est là. Il n'y a aucune obligation. Vous choisissez le niveau. Vous pilotez le mouvement. Allez, 3, 2, 1. C'est reparti. Go. Allez, rythmez bien le travail des cuisses par la dynamique des bras. Et surtout dans les bras. C'est pas juste je plie et je reviens. C'est comme si j'exerçais une traction pour engager mes omoplates. Ça fait 10, on peut breaker. Ça fait 15, ça peut être une étape intermédiaire. 16, 17, 18, rappelez-vous, on anticipe le genou qui vient croiser derrière. Allez, c'est parti. Hop. Allez, les amis. Là encore, ça fait 10. Soyez léger. C'est important de se sentir léger, de se sentir aérien, dynamique. Et on repart. Squat, dégage. Ou squat, je resserre. Ou squat avec les bras. Go. Le focus à avoir, c'est le contrôle du dos. Pas de penché en avant. Ça fait 10. On peut arrêter, adapter, récupérer. Même chose avec 15. 19. Et on revient. On appuie. Hop, et c'est reparti. Côté devant. 1, 2, 3. Allez, descendons dans les cuisses. Hein. Ça paraît plus soft au niveau cardio. Mais venez travailler dans les cuisses là. Cherchez à contrôler les appuis plus bas. Le cardio, il tape. Mais on est sur du renfort, là. Renfort dynamique, certes, mais renfort quand même. Trois fois. Deux fois. Soit vous continuez là-dessus, soit vous reprenez tout de suite sur la version plus cardio. Allez, verrouillez bien les abdos. Utilisez les bras comme point d'appui et dans l'inertie du geste. 7, 6, 5, 4, 3. On anticipe pas chasser. C'est parti, go. J'amortis et je relance. J'appuie sur le rotor, je le ressors, pardon, et je lâche le ressort. Allez, vous êtes avec moi. Je suis avec vous. Mais le plus fort d'histoire, c'est qu'on est ensemble. Allez, 10. Là aussi, ça peut breaker. Ouh! 6 fois. 4, 3, 2, 1, à plat ventre. On va chercher un bras. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Ouh, bras tendus dans l'axe ou sur le côté ou avec les pompes. Allez, go. Allez, ça fait déjà 6, 7, 8. Pas de crispation, hein. Surtout pas de travail de force. Ou alors la bonne force. La force contrôlée par les leviers. Pas le truc à l'arrache. On repart sur le dos. Niveau 1, sur les talons. Restez plutôt dans un plan vertical. Niveau 2, hop, hop. Niveau 3, une seconde, j'appuie. Je déclenche derrière, j'inspire, je roule, je souffle. Ça fait 5. S'il y a vraiment un truc que j'aimerais que vous fassiez correctement là-dessus, c'est de ne surtout pas accélérer, quelle que soit la partie ou le mouvement.
Ne venez jamais accélérer. Inspirez et je contracte et je souffle et c'est ça qui produit le geste. Next, on reste, on tient. Soit vous êtes niveau 1, vous bloquez, vous montez avec les épaules. Soit niveau 2, vous rapprochez un peu plus pour engager plus de contraction. Soit niveau 3, vous jouez la parité entre le haut et le bas du corps. Allez. Déclenchez d'abord l'expiration et par l'expiration, déclenchez le levier de raccourcissement. Oh, ce que c'est bon. Ce que c'est bon. 5, 4, 3, on ne sait pas de quoi il parle, mais en tout cas, il a l'air d'être content, le coach. 2, et on relâche. Allez, prenez un peu plus de temps dans la cube. Bonsoir Maud. Bonsoir Laure. Essoufflez. Je vous laisse vous remettre debout progressivement. Oxygénez-vous un peu, marchez un peu, hydratez-vous un petit peu. Il fait pas froid, hein? Bon, c'est bien cette séance parce que c'est pas une récupération, on est actif. Mais en même temps, ça va pas être non plus 45 minutes comme ça. Donc ça va permettre aussi de faire quelque chose d'efficace dans un moindre temps. Ah, puis on croise les doigts, hein. Si tout se passe bien, on va peut-être pouvoir finir par s'organiser un truc collectif là. On ne boira que de la grenadine, c'est promis, juré. On mangera peut-être une ou deux cacahuètes. Mais on sera là, on y sera. Allez, si vous pouvez, on insiste. Récupération active. Donc là, vous le connaissez, l'engagement. Vous commencez déjà à ressentir l'état de fatigue. Vous savez comment maîtriser le geste. Soit vous dites, ok, je reste à ce niveau-là et je le fais en gérant mieux. Soit j'ai besoin de redescendre un peu et je redescends un peu. Soit vous faites comme sur un marathon. Vous êtes un peu mis sur la retenue sur les deux premières. Et dans ce cas-là, vous allez faire un négatif split. C'est-à-dire vous allez accélérer un tout petit peu sur la fin. Allez, j'inspire deux fois. Je suis au rendez-vous. Je suis avec la team. Je suis au contact. Je suis moi avec mon potentiel. Départ dans 3, 2, 1, go. Allez, j'appuie dans le sol. À chaque pression, je sens les cuisses, les fesses, le transverse, le périnée, les dorsaux. Ça fait 10, on peut breaker. Allez, pareil dans la notion de coaching, anticiper sur ce qui vient. C'est quoi la suite? Faites le travail d'anticipation pour ne pas vous laisser surprendre. Il en reste deux. Next, genou, je croise derrière. C'est parti. Allez, go. Hop. Gérez bien le geste, hein. Faites attention à ça. Ça fait 10. Quinze, 16, 17, 18. Vous oxygénez-vous, oxygénez-vous, vous asphyxiez pas. 3, 2, 1, go. Je rappelle, hein, l'option cool, elle est là. Oh, pardon, un peu raté. Allez. L'option 2, c'est sans les bras, la même, mais sans les bras. Ça fait 10. Seize, 17, 18, 19 et 20. On stabilise, go. Oh, la transition, c'est le pire. Dès qu'on a relancé la machine, après, ça va. On gère. Mais alors, la transition, ouh, sévère. Allez, cherchez surtout à contrôler votre respiration et votre gestuelle. Le potentiel d'énergie, même s'il y a un peu de fatigue, vous y êtes. Hein. C'est parti, plus rapide. Bien sûr, vous pouvez réguler à partir de là. 6, 4, 3, et le chasser. Pareil, j'anticipe, go. Ok, vous pouvez récupérer.
On poursuit encore un peu. Allez, deux allers-retours. Pareil, anticipé. À plat ventre, niveau 1. Niveau 2, sur les bras de face. Niveau 3, genoux, pompe. 3, 2, 1, go. Les coudes orientés vers l'arrière, hein, si vous pouvez. Neuf, et 10. Ouh, 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 ouh. Allez, placez-vous. Niveau 1 sur les talons. Niveau 2, les jambes relevées. Et c'est parti, go. Niveau 3, avec les bras derrière. Essayez de faire l'effort de garder les cuisses à la verticale. Et si possible, les pieds plus hauts que les genoux. Sixième. Encore deux. Dernière fois, soit les cuisses fixes, soit les jambes rapprochées en statique, soit en dynamique. Allez. Vous soufflez, vous allez jouer le raccourcissement. Et c'est le raccourcissement qui va produire la contraction musculaire. Allez. 14, 15, 16, 17, 18, 19, et là on récupère. Parfait. Soit vous voulez, vous en avez déjà fait 3, c'est très bien, vous briquez, soit on se met debout, et si on peut, on en fait une dernière. C'est optionnel. Si vous êtes dans le rouge, n'allez pas dire oh là là là, la misère, ça continue, c'est une option. Le travail est déjà fait. Donc ça, c'est acté, c'est signé, c'est contractualisé. Ça, c'est du bonus seulement si vous le pouvez. Allez. Ou alors, ça peut être aussi le même travail, mais avec des options moindres. Là, l'effort, on l'a fait. Hein. Allez, pareil. Relâchez les bras. Oxygénez-vous. Associez l'état de fatigue avec le mental. Et sentez que par là, vous allez retrouver une bonne gestion. Un bon contrôle. Allez, j'inspire bien. Dernière fois. 3, 2, 1, go. Ok, je gère. Je sais que c'est la dernière fois. J'ai pas de fausse surprise. Ça fait 10, je peux m'arrêter. 12. Dix-sept, dix-huit, dix-neuf, never stop, parce que je le sais. Allez, go. Vous pouvez ralentir un peu, hein. Trois. Ça fait 10. Rappelez-vous l'option cool, hein. Ça, ça me va, moi. Ça, c'est parfait. Encore 4. 2. Squat jack. Allez, go. Allez, dites-vous que vous êtes fort, le dur est derrière. Il n'y a pas moyen que vous n'ayez pas capable de faire le travail, quelle que soit l'option choisie. La volonté décide de tout. 3, 2, encore une, sur jambe droite, gauche, pardon, jambe droite, go. Oh, je suis déjà là, mais j'avais pas envie de repartir et je suis déjà là. Oh, cette team, on avance ensemble. On se la trouve mutuellement cette énergie. Hein. On se la donne plutôt. Encore une fois. Et en version rapide si vous le pouvez. Allez, comment je gère? Quel est mon mental? Quel en est mon contrôle? 4, 3, j'anticipe. Chassez, go. Allez,
soit vous vous arrêtez là, soit encore 5 allers-retours. Ça reste élastique. Persuadez-vous que c'est facile. L'effort, il est là. C'est là la fierté. Mais l'effort, vous le gérez. Il en devient presque trop facile. Dernière. À plat ventre. Bras tendus. Avec ou sans push-up. Go. Oh, je suis fort. C'est ce que vous devez vous dire. Même si vous en faites une sur deux. Ouh. Et 10. On l'a fait le job. Hein. Là, on déroule. Allez. On se met en place et go. Allez, là, votre objectif, c'est pas tomber dans la précipitation ou le ras-le-bol de fin. C'est être capable de maîtriser la bonne technique et de gérer la récupération dans l'effort. Donc, mentalement, il faut être fort. Il faut rester engagé dans le bon geste à produire et en même temps, ça pique, ça brûle et on se doit de récupérer en même temps ou de réguler. Hein, le dur, il est fait, hein, il est derrière. Plus on avance seconde par seconde, plus vous retrouvez un regain d'énergie physique et psychique. Dernière fois. Ok, on associe. Go. 4, 5. Allez, essayez d'avoir une pensée hyper constructive, hyper valorisante de vous. Même si vous êtes là, même si c'est lent, même si c'est soft, on s'en fout. On y est. 7, 6. Rappelez-vous la culture de je m'en fous, celle qui fait du bien. 4, 3, 2, 1. Et relâche. Bien, c'est que quand on sera en plein, on n'aura pas froid. Quand on sera genre en novembre ou en décembre, je pense qu'on sera bien dans nos séances. Ah, si on ne triche pas, ça tape. Hein. Alors là, je suis un peu inquiet, je ne vois plus rien défiler à l'écran. Je me dis, il y avait la planète des sages à un moment donné où le film il s'arrête, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et puis là, je ne vois plus rien qui s'agite. Vous êtes là. Ah, il y a un cœur. Cool. Qu'est-ce qui m'avait angoissé, ce film? Tout petit, là, il n'y avait plus de vie. C'était le chaos total, il ne se passait plus rien. Je me suis demandé où ils étaient passés les gens. On va pas chercher derrière la télé. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous moquer. Allez, régulez bien. Ouh, on passe au stretch. C'était une demi-heure, mais une demi-heure hardos, hein. Nicole, c'est top ce que je dis là. Bien sûr que si. Il y a ce qu'on croit, ce qu'on peut. Faites la différence entre les deux. On croit, mais moi aussi, hein. Il y a plein de choses, je me dis, allez, c'est pas possible, machin. Mais non, c'est pas possible. C'est en nous. Un jour, je vous raconterai peut-être mon histoire. D'ailleurs, je crois qu'elle est écrite sur le groupe. Si vous cherchez le tout début, ouais, c'est amusant. Mais on peut tout faire. On peut tout faire. C'est nos limites. Allez, je vous invite à venir vous asseoir, s'il vous plaît. Si vous manquez un petit peu de souplesse, n'hésitez pas à remplacer quelque chose sous les fesses. Une serviette, un tapis. Ah, le bonheur. Là, on sent bien. Allez, vous allez placer les mains derrière les fesses. Vous allez prendre appui sur les bras pour retrouver de la hauteur sur votre dos. Donc, vous avez les bras qui viennent renforcer l'appui. Et puis, vous avez ce fil au-dessus de la tête qui va vous étirer vers le ciel. Allez, grandissez-vous bien. Essayez de déporter les bras vers l'arrière, les épaules, pardon, vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique et inspirer. Parfait. Vous allez juste relâcher un peu l'appui des bras et décompresser. Fais ça encore deux fois, le travail en capacité, inspirer. Essoufflez. Une dernière fois. Inspirez bien. Et maintenant, lorsque vous allez souffler, vous allez prendre appui sur les doigts derrière et vous allez garder le dos plat et penchez-vous vers l'avant. Toujours en essayant de sentir que ce fil il vous étire à 45 degrés vers l'avant et que vous avez toujours le même dans votre dos. Parfait. Vous soufflez, vous revenez peu à peu.
Vous allez inverser, vous allez inspirer. Penchez-vous, stabilisez en bloquant la respiration cette fois. Revenez, décompressez. Allez, encore deux fois. Inspirez bien. Inclinez-vous, bloquez la respiration. Petit plus dans les consignes, cherchez à pousser sur les fesses. Alors, on ne le voit pas, hein. C'est un ressenti intrinsèque. Mais poussez sur les fesses pour gagner un tout petit peu de hauteur. Revenez, décompressez. Encore une fois, inspirez. Bloquez la respiration, penchez-vous. Revenez et décompressez. Parfait. Je vous invite à prendre la direction du pied droit. Ensuite, quand vous avez la direction, si vous manquez de souplesse, gardez les bras en appui. Relâchez dans ce cas juste le haut de votre corps. Si vous êtes suffisamment souple, s'il n'y a pas de raideur au niveau du dos, laissez-vous aller un petit peu sur la jambe. Voilà, on a bien dépensé. Hein. Une demi-heure, 7 exercices, 4 rotations, mais on a envoyé. Prenez le temps de vous servir des bras comme point d'appui. Soulagez le poids du corps par l'appui des mains. Effectuez le transfert, inspirez. Et hop, on refait la descente de l'autre côté. Prenez une grande inspiration. Remplacez l'appui avec les mains sur le sol. En poussant sur le bras, vous déroulez votre dos, vous revenez peu à peu. Très bien. Cette fois, c'est votre jambe droite que vous allez fléchir. Vous allez fléchir également la jambe gauche. Vous allez prendre appui sur votre fesse droite. Donc, je le refais. En appui sur la fesse droite, la jambe droite fléchit devant, la jambe gauche fléchit derrière. Vous essayez de préserver un écart entre le talon et la cuisse. Ensuite, vous prenez bien appui sur les mains. Vous essayez de sentir que votre ligne d'épaule, elle prend la direction de la cuisse de devant. Et là, ici, une fois que vous êtes là, vous allez garder le dos plat et inclinez-vous progressivement. Alors, il y a ceux qui ne sont pas super souples et qui vont rester à ce niveau-là. Et ce n'est pas très grave. L'étirement, vous le produisez de la même façon. Et puis, il y a ceux qui peuvent être beaucoup plus souples et qui pourront descendre plus bas. Mais dans ce cas-là, ne lâchez pas votre dos. Bien sûr, on peut être ici couché avec le dos relâché. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment que vous essayez de préserver le dos plat. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un éloignement au niveau des segments et donc vous allez aller chercher beaucoup plus les bons étirements. Et puis plus vous sentez que vous êtes à l'aise, plus vous sentez que vous commencez à souplir, plus vous pouvez vous permettre de descendre petit à petit. Et pour ceux qui sont effectivement très souples, en fin de geste, là, vous pouvez relâcher la tête et les épaules. Alors une fois, quelle que soit l'amplitude dans laquelle vous êtes, l'angle dans lequel vous êtes incliné, stabilisez la position, restez. Vous êtes en appui sur la fesse droite. Essayez de sentir que vous allez rouler dessus, comme si vous preniez un centre de gravité, enfin vous changez votre centre de gravité en roulant plus ou moins sur la fesse d'appui. Alors je sais que dans les mots, ça paraît très curieux à entendre, mais essayez de sentir que cette fesse sur laquelle vous êtes, hop, vous pouvez rouler dessus un petit peu pour transposer le poids du corps un peu plus en avant. La coach, il a vu qu'on était dans Star Trek, quoi. Quatrième dimension, transposer la fesse en main. On est passé dans une autre galaxie. Là. C'est coach Spock qui me parle. Parfait, rassemblez, revenez tout doucement. Encore une fois, en prenant appui sur les bras, déroulez votre dos peu à peu. Revenez à l'assise. Fléchissez les jambes et vous descendez les genoux d'un côté et de l'autre. On va vous parler de téléportation, maintenant on vous parle de transposition. Allez, c'est de bien détendre les lombaires, ça c'est important, on travaille sur les hanches, c'est de la mobilité. Ça c'est presque un exercice qu'on devrait faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Allez, dernière fois, et si vous pouvez, hop, on inverse. Fesse gauche, la jambe gauche fléchie devant,
La jambe droite fléchie sur le côté. On appuie sur les bras. Et une fois que vous avez le dos plat, on se penche légèrement. Essayez de moduler au fur et à mesure l'angle de travail. Sentez l'assouplissement qui s'installe. On est sur les fessiers profonds là. On n'est pas sur les fessiers esthétiques. On est sur les fessiers, de la posture, du galbe, du maintien. Allez, essayez de sentir. Continuez de descendre petit à petit si vous pouvez. Et là encore, seulement si vous pouvez le faire, allongez les bras loin devant. Si vous pouvez vous rouler un petit peu sur la fesse. On appuie sur les bras. Encore une fois, vous soulagez le poids du corps par l'appui des mains pour rassembler et pour lâcher. Allez, petit passage sur le dos, s'il vous plaît. Allongez-vous. Vous allez venir le pied gauche sur le sol et le pied droit sur le genou gauche. Ensuite, vous placez la main droite sur le genou droit et modérément, n'appuyez pas brusquement, mais modérément, vous allongez un tout petit peu le bras pour repousser le genou vers l'avant. Évidemment, le genou ne fait aucune résistance. Parfait. Ensuite, vous restez dans la position. Donc, vous avez le genou droit. Alors, c'est un peu technique. Il y a deux façons d'étirer les fessiers. Il y en a plusieurs. Mais là, ce que vous allez faire, c'est passer votre bras gauche sous votre jambe, donc dans le creux qui se forme entre les deux cuisses. Vous allez rapprocher le genou de la poitrine, tendez l'autre jambe vers le sol. Et ensuite, ramenez ce genou vers votre épaule gauche. Donc, si c'est la jambe droite, vers votre épaule gauche. Voilà. Et soutenez bien la jambe par les deux mains. Une main au-dessus du genou et l'autre main sur la jambe. Parfait, gardez bien le bassin dans l'axe. Le genou droit, vous le tenez avec la main droite et vous le descendez modérément sur le côté. Cherchez à bien décompresser, essayez de sentir que plus vous soufflez, plus vous libérez la tension sur l'intérieur de la cuisse. La jambe est bien portée, soutenue par l'autre main. Prenez le temps d'inspirer. Remontez en vous servant de la main. Posez le pied sur le sol. Revenez avec l'autre jambe. Déposez le pied sur le genou. Et à nouveau, vous inversez la position. Vous repoussez le genou vers l'avant. Ensuite, avec le bras droit, vous allez chercher à passer la main sous la jambe, allez chercher l'arrière de la jambe, l'autre main, la main gauche, vous la mettez sur le genou, la jambe de sol, vous l'attendez si vous le pouvez, et cette fois, votre jambe gauche, vous le ramenez vers votre épaule droite. Parfait, soutenez le genou gauche par la main gauche, gardez bien le bassin dans l'axe, descendez le genou vers l'extérieur. Allez, prendre la position, c'est bien, mais d'essayer de ressentir l'étirement. Encore mieux, essayez vraiment de sentir sur les adducteurs, vous coupez le moteur, vous coupez les résistances et la jambe n'est portée que par la main. Alors, l'exercice qu'on a fait juste avant, en fléchissant, je vous le ferai faire autrement. On ira beaucoup plus loin. On va se familiariser avec et petit à petit, je vous le transformerai.
Parfait. Là encore, vous prenez le temps de remonter le genou à la force de la main. Vous rassemblez les deux genoux. Vous inclinez les genoux à droite. Vous regardez à gauche. Ensuite, prenez le temps. Faites remonter les genoux. Servez-vous un petit peu des abdos dans la transition. Effectuez la bascule de l'autre côté. Enfin, c'est pas grand-chose, hein. Inspirez. Prenez le temps qu'il vous faut. Revenez comme vous le souhaitez, soit en revenant sur le dos, en venant vous asseoir, soit en continuant le chemin sur le côté et en revenant sur les genoux. Alors, les étirements, c'est important, mais pour moi, il y a encore quelque chose de plus important que les étirements, c'est les assouplissements. Et ça ne se fait pas forcément à chaud, ça se fait à froid, modérément, très modérément. On ne parle pas d'étirements là, on parle de petits exercices de mobilité justement, mais qui vont apporter du confort tout au long de la journée et qu'on doit reproduire de façon très régulière. Allez, revenez vous placer sur les fesses, sur les genoux. Venez à placer les mains derrière la tête. Inspirez. Enroulez, soufflez. De fond, tirez. Enroulez, soufflez. Et la dernière fois, ouvrez bien, bien, bien la cage thoracique. Tirez les bras en arrière. C'est ultra positive pour tout ce que vous faites, tout ce que vous faites de bien, tout ce que vous essayez de faire au mieux, l'engagement que vous mettez dans les séances, la régularité, tout le courage dont vous faites preuve. Soyez fiers de vous. Merci infiniment. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Demain, repos. Et là, je ne vous cache pas que ça va me faire du bien. J'espère que vous pouvez en profiter aussi. Et on se retrouve lundi pour le challenge. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Salut la team.